Je m'appelle Marianne Hébert, je suis agente de probation. Je travaille actuellement au Palais de justice, au bureau Montréal de la clientèle féminine activité spécialisée. Je suis plus dans le volet spécialisé. Je travaille majoritairement avec une clientèle qui ont une problématique de santé mentale ou une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on a différentes mesures d'encadrement qu'on est amené à superviser du côté là, des services correctionnels du Québec. La majeure, je dirais que c'est vraiment des suivis sous des ordonnances de probation, mais on a quand même des mesures un peu plus strictes, là, comme des libérations conditionnelles, là, qui sont des mesures de libération avant terme de la détention. On peut avoir aussi des emprisonnements en collectivité, plus communément appelés des sursis. Donc, ça, c'est des mesures qu'on peut avoir aussi à gérer. C'est un petit peu moins commun comme mesure avec la clientèle en déficience ou en TSA. On en voit quelques fois. Mais ça, ce sont vraiment plus des mesures de surveillance. Comme je disais, la majeure, c'est vraiment des mesures de probation. La mesure de probation, c'est des gens qui ont des conditions à respecter en communauté. Ils peuvent avoir ou non passé par de la détention avant. C'est pas une obligation d'avoir fait de la détention. C'est que le juge va ordonner à la personne de respecter certaines conditions pendant une période de temps X qui peut aller de 6 mois jusqu'à 3 ans maximum. Les conditions qu'on peut voir, ça va être majoritairement des conditions soit de restriction. On va penser à des interdictions de consommer, des interdictions de voir des victimes, de se rendre à certains lieux. Donc, des choses que la personne ne peut pas faire. Sinon, on va avoir aussi des conditions d'obligation. Donc, la personne doit faire certaines démarches. De faire un suivi médical, de faire une thérapie, de respecter des recommandations que son agent pourrait faire. Entre autres, le suivi de probation est une condition. Donc, ce n'est pas toutes les probations qui ont nécessairement un suivi avec un agent. C'est le juge qui va demander à ce que la personne vienne rencontrer un agent de probation. La fréquence qu'on rencontre les gens, c'est vraiment sur une base bimensuelle. Donc, ce n'est pas, dans le cadre de la probation, un accompagnement au jour le jour. Ce n'est pas une surveillance au jour le jour non plus. C'est vraiment, vraiment un double mandat. Oui, on a un rôle de s'assurer que la personne respecte ses conditions. Encore là, c'est sûr qu'on, comme je dis, on ne les voit pas tous les jours. Fait qu'on, c'est sûr qu'on ne peut pas s'assurer qu'ils les respectent au jour le jour. On n'est pas des enquêteurs non plus. Puis, le volet aussi, c'est beaucoup un volet de réinsertion sociale. Donc, c'est vraiment un volet d'accompagnement de la clientèle, de cerner un peu toutes les personnes qui vont commencer en probation, vont faire une évaluation initiale. Donc, le but est de cerner un peu, bien, c'est quoi les risques de récidive de cette personne-là, c'est quoi ses facteurs de risque, c'est quoi ses besoins aussi, puis à quel endroit on peut l'accompagner, à quel endroit on a besoin il y a des éléments à travailler plus, puis c'est quoi les forces aussi, sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qui fonctionne bien. Fait que c'est vraiment le but de cerner le plus possible les enjeux de la personne, qu'est-ce qui l'amène à commettre des délits, puis comment est-ce qu'on peut essayer de diminuer ce risque-là là, de récidive, dans le fond. Évidemment, bien, il n'y a pas de risque zéro. Là. Il n'y a personne qui représente, là, même dans la vie de tous les jours, un risque zéro qui ne se passe rien. Il y a des gens qui ont un risque très faible de récidive jusqu'à élevé. Fait que c'est sûr qu'on a des gens qui vont avoir plus d'enjeux, plus d'éléments à travailler, des gens qui vont représenter plus de risques. Puis encore là, la récidive, bien, il y a toutes sortes de délits possibles. Fait que c'est sûr qu'il y a des délits que ça va être plus acquisitifs. Donc, des gens qui vont faire des vols à l'étalage. Puis, on a des gens qui ça va être plus des problématiques au niveau de la consommation. Donc, des délits reliés aux stupéfiants. Puis, ben, on a des délits de violence, un peu plus contre la personne. On peut avoir des gens qui vont avoir plus de faire des voies de fait. Des gens qui vont commettre des agressions, agressions armées, agressions sexuelles aussi. Donc, c'est sûr qu'on a une panoplie de problématiques possibles aussi. Puis, le risque, ben, se gère différemment en fonction de ces les problématiques que les gens vivent, c'est quoi leur risque que ça se reproduise à nouveau. Puis, bien, il y a tout le volet aussi de conscientisation, à quel point la personne est conscientisée, à quel point elle est engagée déjà, elle réalise déjà ses problématiques, à quel point elle est consciente de ses enjeux, puis à quel point elle est impliquée aussi déjà dans un processus de changement. Il y en a qui ont déjà fait des changements, il y en a qui sont en voie d'en faire, il y en a qui sont... On voit un peu, on se retrouve des fois dans les stades motivationnels un peu. Là. Il y a des gens qui vont être en pré-contemplation puis des gens qui vont être déjà dans l'action. Bien, c'est un peu ça aussi, si on le retrouve beaucoup avec la clientèle. Mais c'est sûr qu'à la base, ça reste des gens non volontaires. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui viennent nous voir par obligation. Donc, on n'a pas nécessairement de la clientèle très, très ouverte déjà à l'intervention, mais c'est quelque chose qu'on travaille avec. C'est un peu notre mandat aussi de travailler cette conscientisation-là, puis ce volontariat-là aussi là, des clients, dans le fond.
Donc, au niveau de la réinsertion sociale, c'est sûr que c'est un mandat important dans le cadre de nos suivis qu'on fait avec la clientèle. Comme je disais, on a vraiment le volet, oui, surveillance des conditions, encadrement des mesures, mais au niveau de la réinsertion, c'est beaucoup d'essayer d'accompagner les gens vers les services qui seraient ciblés en fonction de leurs besoins. On est des agents de probation qui, notre but, c'est soit de travailler directement avec la personne pour favoriser sa conscientisation, ou sinon d'essayer de l'arrimer vers des services de la communauté qui sont déjà existants, que ce soit des services en violence conjugale, des services en toxicomanie, des services au niveau de la réinsertion en emploi. Donc, c'est vraiment d'essayer beaucoup, beaucoup de faire cet arrimage-là avec les services déjà existants en communauté. Puis, notre but, bien, comme je disais, c'est pas toujours de la clientèle volontaire. Donc, c'est beaucoup de travailler à ce que les gens aillent vers ces services-là, en utilisant ou non nos leviers là, de conditions, là, si on en a. Mais c'est beaucoup d'aller au rythme. Donc, des fois, de trouver l'équilibre entre qu'est-ce qu'on voit comme besoin pour la personne, qu'est-ce que la personne est prête à faire, qu'est-ce qu'on voit qui est nécessaire pour éviter du risque qui serait plus imminent. Donc, c'est vraiment de travailler là, ces éléments-là là, pour amener la personne à cheminer, à faire des pas. Puis c'est sûr que c'est pas nécessairement des cheminements qui vont être toujours très majeurs. Des fois, c'est des petits pas qui se font à la fois, mais ce qu'on vise, c'est vraiment de faire des acquis le plus possible, des choses sur lesquelles la personne va pouvoir s'appuyer. Puis, on vit avec le fait que ça se peut qu'il y ait des rechutes, ça se peut qu'il arrive des récidives. Mais notre but, c'est d'éviter le plus possible des événements plus majeurs, si on peut dire, là, dans le fond, des récidives qui auraient des impacts plus importants. Mais on ne peut pas faire abstraction du fait que ça se peut que la personne vive des reculs en arrière. Puis c'est comment on va travailler ça avec la personne, comment faire pour s'appuyer sur ça pour faire d'autres pas en avant la prochaine fois, là. Donc, au niveau de la probation, on a une marge de manœuvre. Donc, c'est sûr qu'on peut jouer avec un certain élastique au niveau de notre gestion du risque. On a des clients qui vont représenter un risque de dangerosité plus important, qui vont être des fois soit plus désorganisés, soit avoir des victimes à proximité, avec laquelle c'est sûr que notre gestion du risque, notre élastique va être plus court. Donc, on n'hésitera peut-être pas à dénoncer plus rapidement s'il y a des écarts à des conditions, donc dénoncer à la cour. Si on a des gens qui représentent un risque moins grand, mais qui ont des besoins, notre intervention vise plus à les arrimer vers des suivis. Dans le fond, notre élastique va peut-être être un petit peu plus grand au niveau là, de notre tolérance à des écarts aux conditions. Des écarts aux conditions communes de ne pas venir à des rencontres. C'est des gens qui ne se présenteront pas, qui vont avoir des absences. C'est toujours de jouer un petit peu entre, bien, il est où mon risque? Ça représente quoi? Donc, on évalue le risque en fonction, comme je disais, de plusieurs éléments. Les victimes, la violence possible, la récidive possible, le niveau de désorganisation. Puis après ça, on évalue aussi, bien, la personne, c'est quoi ses besoins? Comment je peux l'arrimer? Où je peux l'amener? Est-ce que la personne est mobilisée? Est-ce que la personne, je suis capable, en étirant un peu l'élastique, de l'amener vers des services? Donc, c'est vraiment jouer un peu sur un continuum comme ça de, bien, jusqu'où je me rends dans ma tolérance au risque. Puis ça reste toujours du cas par cas, dans le fond, parce que chaque dossier, chaque personne va avoir une situation unique. Donc, ça demande de l'analyse puis du jugement à chacun des dossiers pour dire, bon, bien, dans ce dossier-là, jusqu'où je me rends dans ma gestion du risque. Et on peut procéder à des dénonciations. Donc, les dénonciations, c'est vraiment un avis qu'on fait à la cour, un avis écrit. On peut parler directement au procureur s'il y a un risque imminent, mais c'est dans des situations d'urgence plus rares. Mais sinon, ça va être un avis écrit à la cour de voici ce qu'on a constaté comme manquement. Il ne faut pas penser que ça va nécessairement mener à une arrestation immédiate et encore moins à une détention. Dans le fond, c'est une dénonciation qu'on fait à la cour. La dénonciation va passer dans les mains du procureur. Le procureur va décider ben, est-ce qu'il amène ou pas les accusations devant la cour. Et s'il amène des accusations, ben ça se peut que ce soit juste une date de cour prochainement, que la personne va passer devant le juge, qu'il va avoir un processus de cour qui va s'enclencher. Mais nos dénonciations, à moins d'une situation d'urgence imminente, ne mènent pas à une arrestation, ne mènent pas à une détention. C'est un nouveau processus de cour, une conséquence légale. Donc, ce n'est pas nécessairement un arrêt d'agir comme on peut penser tout le temps. On n'a pas nécessairement un levier de faire un arrêt d'agir immédiat chez quelqu'un. Si on juge vraiment qu'il y a une dangerosité, on peut le faire, mais on ne le fait pas nécessairement dans chaque dossier. Il faut qu'on pense que ça reste aussi un bris de liberté aussi de quelqu'un qui est de l'emprisonner. Fait que c'est sûr que ça reste une mesure d'exception, dans le fond, là, ou de risque plus important, dans le fond. Fait que c'est pas chaque dénonciation qui mène à un emprisonnement. Puis le processus, au bout de la ligne, la personne peut avoir une nouvelle
un nouveau processus de cours, une nouvelle sentence en bout de ligne. Mais encore là, par exemple, si on prend, par exemple, quelqu'un qui ne respecte pas la condition de faire un suivi, qu'elle aurait une obligation de faire une thérapie, la personne dit non, moi, je ne veux pas faire de thérapie, je ne suis pas impliquée, je ne suis pas intéressée, je ne veux pas la faire. Bon, bien, si nous, on juge qu'on a besoin, parce que c'est vraiment un besoin imminent, qu'on veut faire une dénonciation dans ce dossier-là, ça ne forcera pas la personne à aller en thérapie. Plus, on n'aura pas plus le résultat de la thérapie, ça va faire un nouveau processus de cours, une nouvelle conséquence légale qui pourrait être des nouvelles conditions, une amende, de la détention, des travaux communautaires. Mais on n'amène pas la personne, on n'a pas de levier pour forcer la personne. Ce n'est pas une ordonnance de traitement, par exemple. C'est vraiment une condition que si la personne ne respecte pas, elle a des nouvelles conséquences légales. Part des fois d'une clientèle non volontaire à faire une démarche, mais qui, en cours de route, bien, peut s'ouvrir un petit peu plus à ça, puis peut faire quand même des acquis, là, même si à la base, c'était pas une motivation personnelle là, qui l'a amené à faire ce changement-là. Donc, c'est sûr qu'on est confronté à beaucoup de souffrances aussi, même si on a tendance à percevoir la clientèle délinquante comme justement des délinquants qui sont au-dessus de leur surface, si on peut dire. C'est des gens qui vivent beaucoup d'enjeux, donc on est confronté à ça aussi, d'accompagner les gens dans ça, puis justement d'aller au-delà du délit qui est commis, mais d'aller s'assurer là, qu'on va à la rencontre de cette personne-là aussi, puis de bien la comprendre. Fait que ça reste un enjeu aussi de toujours aussi avoir ce souci d'empathie-là aussi envers cette clientèle-là, si on veut être à même des accompagner adéquatement. Des fois, c'est des clients qui sont plus ou moins volontaires, qui ne sont pas nécessairement toujours accueillis dans les services avec ces réticences-là. Donc, ça demeure un enjeu aussi là, d'être confronté à ces réalités-là. Souvent, ça va être avec le réseau de la santé, mais ça peut être aussi avec des organismes communautaires. Où est-ce qu'on a de la difficulté à trouver bien, par quelle porte d'entrée on peut offrir de l'accompagnement là, plus soutenu à cette personne-là. Là. Donc, je dirais que ça, pour ma part, là, ça reste des enjeux là, quand même les plus majeurs, là, je pense, dans notre travail.